Les demi-temps, on a relâché, c'est pas physiquement, mais on a relâché un peu moralement. Il faut que je travaille avec eux sur la deuxième mi-temps. De toute façon, ils sont pas là pour nous regarder jouer, sur l'équipe adverse. Ils sont là pour jouer. Et dans un match, il y a toujours des temps forts, des temps faibles. Et ils ont eu un temps fort, ils ont mis en difficulté. Mais bon, c'est comme ça le football, hein. C'est quand même des bons joueurs quand même. Vous avez dit que ça n'était pas facile. Et le 14, vous allez affronter l'équipe de l'Afrique du Sud, qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous préparez? Ça va être très difficile, parce que c'est David contre Goliath, hein. On est les petits, eux sont les grands, on n'a pas la prétention qu'on va gagner. Nous, on va essayer de se battre avec nos armes. On ne va pas les respecter, parce que si on les respecte, ils vont nous mettre beaucoup de buts. On va essayer d'honorer le drapeau comorien d'abord, avant d'honorer le volcan. Donc ça va être un match très très difficile, mais on va essayer de se battre avec nos armes. Mais vous savez, c'est des professionnels, c'est des gens, c'est leur travail. Nous, c'est des amateurs, mais on va essayer de travailler pour donner au moins donner honneur au pays. C'est vraiment, en réalité, avoir le championnat sans Sanaï. Ça, c'est Thomas et Okaya, une des matchs à Mando. Gasina unanile wakaya rikauhea unumaha gasina nasjana watiti gasina tamaya wakaya ngardeshi la rengeze hoso nirendawe tafauti ndo wakaya ngona majeri kau ngona experience na hana si sha univu ya heje njaona ushangavu wakaya wanche uhara hoso nirendawe